Est-ce que tu peux nous expliquer ce programme ? Quelle a été cette création ? C'est une proposition qui est née il y a une dizaine d'années. Je travaillais à l'époque avec un anthropologue qui faisait sa thèse sur des questions d'identité politique dans les campagnes éthiopiennes. Et ayant affaire à de nombreux rituels où il y a une mise en scène des corps, une mise en scène du religieux, il s'est dit qu'une caméra pouvait avoir sa place là-dedans. Donc je l'ai accompagné et on a passé un an ensemble, en 3 ans, à faire des allers-retours en Éthiopie. Et en Éthiopie, il y a cette blague qui consiste au fait que quand on est étranger, on se fait appeler Farenji. Et Farenji vient de Francs, les Francs ayant été les premiers étrangers à se pointer dans la corne de l'Afrique. Et de France, c'est devenu French et foreigner, et de ça, donc, né Farenji avec la présence des Italiens pendant quelques années là-bas. Et on a donc un mot qui nous appelle français et étranger par le même mot, par la même expression. C'est un mot qui nous rappelle Toubab, c'est un mot qui nous rappelle Payot, c'est un mot qui nous rappelle tous ces ensembles de l'étranger, l'autre, cet autre qui vient d'ailleurs, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui trimballe quantité de représentations, de fantasmes sur ses conditions de vie, sur ses croyances, sur ses façons d'être. Je suis né en banlieue parisienne, où on apprend très vite que la question d'identité, il va falloir la fabriquer à plusieurs. Parce qu'on vient de partout et des quatre coins du monde et on est en friction les uns avec les autres. Et donc ça a toujours été quelque chose pour moi qui a été quelque chose de dynamique, quoi, cette idée-là. Et arriver là-bas et me faire appeler étranger et français par le même mot, ça m'a rappelé vraiment mes premières sensations de rapport à l'autre étant adolescent. Et j'ai commencé à écrire autour de ce thème. Je suis bien l'étranger qui filtre le réel dans son tamis percé, irise ce qui lui parle et s'en retourne. J'arrive. Je m'installe dans ce paysage urbain désactivé, brutal et blasé. J'arrive en fait comme un cheveu sur la soute. Mais il n'y a pas de soute. Ou si peu. J'ai filmé les moments de non-enquête, les moments où la vie m'étonne, où je ne comprends rien à ce qui se passe. Et donc je chope ces bouts d'images, des déambulations en ville, des regards caméra, des regards caméra. Et c'est donc à partir de ces bribes d'images, ces chutes d'images plus exactement, qu'on a essayé de construire une proposition en se disant que la musique dans tout ça allait pouvoir emmener le propos là où les mots s'arrêtent. Parce que la musique, c'est de la sensation. La musique, c'est ce qui nous entoure. La musique, c'est le rythme. La parole peut avoir du rythme aussi, mais elle est souvent chargée par le sens. La musique n'a pas ce problème du sens. Elle emmène le propos, elle peut le dilater, elle peut l'ouvrir, elle peut le rendre plus incisif aussi en utilisant tel type de son. Et du coup, en ramenant ces premiers rushs Super 8,
Je les avais mis bout à bout sans que ça soit vraiment un montage. C'était plus la ville, la campagne, les rencontres. Et Ulrich Wolters, saxophoniste, et Guillaume Crowe, guitariste, ont répondu présent à cette proposition et se sont enfermés avec des copains qu'ils ont recrutés un peu comme ça autour d'eux, avec des gens avec qui ils avaient envie de jouer. Et on s'est dit, bon ben voilà, on fait tourner des images pendant quelques journées et on se rassemble autour de ça, on essaie de voir ce que ça donne. Et donc d'improvisation, c'est devenu des compositions. Mon texte, ben, j'ai essayé de l'affiner aussi, de l'enrichir de textes d'auteurs. Je fais appel à des textes de Michaud, de Borges, de Jabès, de Alain Quin, des poètes comme Fourcade. 1974, l'année de ma naissance marque la fin de l'immigration légale en France. Le pays se referme comme un parapluie, mais il pleut des casseroles. Alors depuis, les ministères de la peur font leur communautarisme, le refus de l'autre se déguise en respect de l'autre. Et puis on essaie de, comme ça, de composer quelque chose qui est finalement comment essayer d'envisager un rapport viable avec l'autre. Aujourd'hui, nous enfants de la décolonisation, nous avec notre rapport original à l'autre. Très chargé, très plombé, de plein d'histoires, mais comment on peut essayer de vivre ça? Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a voulu le faire en ciné-concert, parce que le ciné-concert nous permet de le vivre, de le jouer en direct. Donc c'est plus que présenter un spectacle, c'est le vivre. Et quand on est sur scène, on est tourné vers l'écran. C'est pas pour snobber le public. On joue de trois quarts d'eau comme ça. Mais c'est plus parce que c'est là qu'on cherche notre inspiration. Il faut retrouver cette sensation première de l'endroit, du moment d'avant la rencontre. Et dans ce moment d'avant la rencontre, on essaie d'investir, de peser qu'est-ce que je trimballe, qu'est-ce que je crois de l'autre et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et voilà ce qu'on essaie de jouer. On justifie en prévention les critères, les quotas et cette sale notion de risque migratoire. Mais c'est sans danger. Car on ne sera jamais dans la peau d'un autre. On ne sera jamais chez nous partout et c'est tant mieux. Si la vie commence là où s'arrêtent les images. Allons marcher au bord du monde en trafiquant des cartes. On parte ou qu'on rentre, on se retrouve gorge. Aux frontières. Aux frontières. Aux frontières. Ça évolue à chaque projection, pas de fond en comble parce que c'est quand même très écrit. Et on a maintenant, on va dire que le film est constitué de 7 séquences. Donc on peut revisiter les choses, mais il faut toujours, on joue sur un canevas écrit quand même. Après, l'actualité politique, les journaux, les réflexions, les textes, tout ce que je peux entendre et lire, j'essaie de glaner, de rajouter des choses. On essaie d'être dans un... En ce moment, c'est la panade avec cette histoire de faux débat sur l'identité nationale. Bon, mais pour nous, ça actualise aussi le propos. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, donc on s'en empare aussi. Ouais, c'est une question vivace. C'est une question à laquelle on ne mettra pas un point final. Ça, c'est une notion importante aussi. Je crois qu'il y a des films auxquels on ne peut pas terminer. C'est toujours un deuil de faire un montage et de terminer un film, parce que c'est toujours tout ce qu'on ne mettra pas dedans. Avec ce projet-là, on a quelque chose qui peut s'allonger, qui peut s'enrichir, qui peut se délester de certains propos qui sont plus justes. Ça permet de mûrir avec un film. Et dans le live, il y a des grosses parties d'improvisation, il y a des grandes parts où des moments c'est moi qui ai la parole, mais on se dit aussi maintenant c'est le saxophone qui parle, maintenant c'est la batterie qui parle, maintenant c'est la guitare qui parle. Chacun son truc à dire, et il se trouve que chacun des membres de l'équipe a une relation particulière avec ses histoires d'identité et d'étrangers. Il y a des gens qui sont de fils de pieds noirs, il y a des gens qui arrivent d'Allemagne, il y a des gens qui sont des ruraux et qui vivent en ville. Enfin, tout le monde a un rapport à ces histoires d'étrangeté et de... Ouais, c'est histoire de... On nous demande toujours d'où on vient et ce qu'on fait là.
Notre pays, c'est l'endroit où on est, c'est l'endroit où personne ne nous demande ce qu'on fout là, quoi. Et c'est l'endroit où on peut s'émanciper. Alors, sur scène, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on vit.